Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble formater son Windows Phone. Alors pourquoi formater son Windows Phone? Ici, un Nokia Lumia 1320 avec le dernier système d'exploitation Windows 10. Et on va le formater, pourquoi? Eh bien, tout simplement, soit parce qu'on rencontre des gros problèmes, soit on a installé une version développeur et on veut s'en séparer et revenir par exemple sur une version originale. Certainement, on a envie de vendre son téléphone et on veut supprimer tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour ceci, ça va être simple. Pour le formater, faire ce qu'on appelle un hard reset, supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de son téléphone pour revenir sur un téléphone tout beau, tout neuf et pouvoir le revendre sans laisser aucun SMS, numéro de téléphone ou mail qui pourrait traîner à l'intérieur. Alors vous allez entendre le petit narrateur, mais le petit narrateur qui aide les personnes déficientes visuelles nous sert donc à pouvoir avoir accès au téléphone. Donc ici on va le mettre à l'allumage, on va tout simplement déverrouiller le téléphone. Volet, lock screen, appuyez deux fois pour activer. Voilà, comme il vient de nous le dire, on va appuyer deux fois. Alors ici, on va aller dans les paramètres du téléphone. Paramètres. On rentre dedans. Windows paramètres. On va aller dans système. Paramètres. Zone de recherche. Recherchez un paramètre. Système 1 sur 10. Système 1 sur 10, on a 10 choix. On rentre dans système. Windows paramètres. Affichage 1 sur 10. Tout en bas, on va avoir information système 10 sur 10. Donc tout en bas, on va avoir information système. On va ouvrir tout de suite. Windows paramètres, bouton domicile. Dans cette fenêtre, on va tout simplement aller tout en bas de cette fenêtre. On va faire glisser deux doigts du bas vers le haut. Avec défilement à 100%. Tout en bas, le dernier bouton qui s'appelle bouton réinitialiser votre téléphone, appuyez deux fois pour activer. Réinitialiser votre téléphone, ce qu'on va faire tout de suite. Avertissement. Ici, attention, on a un avertissement. La réinitialisation de votre téléphone aura pour effet d'effacer tous vos contenus personnels, y compris les applications, les jeux, les photos, la musique et les vidéos, et de restaurer les paramètres par défaut. Voulez-vous continuer? Bouton oui, appuyez deux fois pour activer. Êtes-vous sûr? Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, l'évolution des engrenages avec la barre d'avancement, le téléphone est en train de se restaurer tranquillement, il efface toute la mémoire interne et on va revenir sur un système propre. Ici, en gros, je vous mets le système d'engrenage avec la barre d'avancement. Ça a pris à peu près 5 minutes du temps qu'on arrive à la deuxième étape, puisque ici, on est sur la deuxième étape. Le téléphone se réinitialise deux fois. Donc, le téléphone vient de redémarrer. On retombe sur le logo Nokia. Donc on est sur la partie redémarrage. Là aussi, il met un certain temps avant un redémarrage complet. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, ici, on tombe sur la fenêtre où on nous demande de rentrer la langue du téléphone. On peut normalement, avec la touche volume haut et la touche Windows au centre, ici, lancer le narrateur. Voilà donc comment formater et faire un hard reset de votre Windows Phone pour avoir un téléphone propre ou le revendre pour que la personne puisse le mettre en place pour elle-même. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner surtout à la chaîne pour continuer à m'encourager. Et moi, je vous dis donc à la prochaine vidéo pour des nouvelles aventures. Salut !